Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, justement. Qu'est-ce que t'as fini de te plaindre? Eh vas-y, je m'emmerde, des patati, y'a rien à faire. Y'a plein de choses à faire. Allez, générique. Il me gonfle, là. Ouais, c'est pas grave. Repose-toi, on verra ça plus tard. Allez. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouvelle émission Le Canard, l'agenda culturel du Blaisois. Ou plutôt, devrais-je dire, l'agenda culturel du... Et t'as vu le slogan? On a réfléchi, on a mis des semaines et des semaines à trouver. C'est bientôt l'automne, et ouais, mais c'est surtout dans le Blaisois, la rentrée culturelle. Et elle est hyper chargée pour ce mois d'octobre. Au sommaire de notre émission, les temps forts de cette rentrée culturelle. Derrière, la rubrique off qui nous emmènera du côté de Cheverny. Bref, que des rencontres très sympas. Et puis bien sûr, à la fin de l'émission, l'agenda complet que vous retrouverez également sur notre page Facebook. Mais tout de suite, les temps forts du mois d'octobre. C'est parti, mon kiki. Oh. Pour démarrer cet agenda, nous partons directement du côté de Montaut-sur-Bièvre. Par là. Enfin, dans ce coin-là. Là, je sais. Et oui, nous partons à l'espace Bourgard. Le 5 octobre, les deux chanteuses, Julie Zenati et Shinen Badi, viendront nous interpréter les morceaux de leur dernier album, Méditerranéenne. Une ambiance, toi, vague du sud, jolie femme, méditerranée, quoi. Enfin bref, un truc pas possible. Le rendez-vous est à ne pas manquer, quand même. Toujours le 5 octobre, mais cette fois-ci du côté de Blois. Un rendez-vous et pas le moindre, puisque Marie Charrier, la fameuse chanteuse, nous propose son nouveau spectacle, une comédie musicale, Les Bas-fonds de Paris, à la maison de Bégon. Mais pour mieux comprendre, nous sommes allés la rencontrer. Charmante demoiselle, super mignonne. Vous allez voir, j'ai une tendance à fondre pendant le reportage. Enfin bref, reportage. Entre les femmes. Là, je me suis fait beau, tu vois, je me suis peigné, tout ça. Pourtant, je suis pas bien réveillé. Elle écrit, elle compose, elle interprète. Elle est jolie, elle a un sourire enjôleur. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Marie Charrier, quoi. Eh ben... Bonjour. Je la kiffe. Dernier album, L'Aventure 2014. T'as fait quoi pendant ce temps-là? J'ai parcouru un peu la France avec ma guitare, mes CD dans le coffre et tout pour faire des concerts à la maison. Donc des concerts chez des gens, des concerts privés, des gens qui m'invitaient pour venir chanter mes chansons en acoustique dans leur salon ou dans leur jardin. Donc ça, c'était super. Et puis, je suis beaucoup restée seule chez moi pour écrire cette fameuse histoire dont on va parler, des Bas-fonds de Paris. J'ai fouillé un peu dans le théâtre, des trucs dans l'opéra, enfin j'ai écouté plein de choses, j'ai regardé dans le cinéma. Une chanson pas chère résonne pour eux dans l'air de la capitale. Approchez, approchez, vous voilà à Paris, oui Paris, comme vous l'avez tant rêvé. Soyez enchantés. Les Bas-fonds de Paris, c'est toi qui as écrit? Oui, alors c'est parti de quelques chansons que j'avais déjà et que je voulais donner à d'autres interprètes. Et en fait, j'en ai fait un peu... J'ai rassemblé ces chansons que j'avais et j'ai trouvé un thème un peu commun à toutes ces chansons. Et puis j'ai imaginé des personnages. J'ai trouvé des interprètes et de prendre leur univers. J'ai imposé, moi, des personnages pour ces chansons. Du coup, j'ai fait les dialogues en pensant un peu film. J'avais vraiment une idée un peu au début cinématographique de cette histoire. Tu devais faire le canard, tu ferais comment? Coin-coin. Oh, il est mignon ce petit coin-coin. Bon sang, merci Marie. Et vous, je vous dis à bientôt. Deux soirées en vue pour le samedi 6 octobre. La première au cinéma Les Lobbies, lancement de saison pour All That Jazz. All That Jazz accueillera pour son premier concert Hugues Coltmann. C'est quand même une pointure au niveau musical. On ne se fout pas de votre gueule. De toute façon, globalement, on ne se fout jamais de votre gueule, hein, soyons clairs. Deuxième soirée, le samedi 6 octobre, ça se passera au Château d'Eau. Alors, une soirée un peu particulière, puisqu'on va fêter un gros anniversaire. Notre radio locale, Studio Zef, fête ses 10 ans. Tu vois la soirée? Ambiance, je suis pas prêt de me reposer. Toujours à Blois, The
événement, les rendez-vous de l'histoire. 40 000 personnes qui débarquent à Blois, t'imagines le truc quoi. 1000 intervenants, 300 éditeurs de livres en dédicace, des conférences, des débats, des ciné. Bref, tu l'as compris, c'est pas n'importe quel événement. Cette année, le thème, la puissance des images. Donc là, toi, la puissance des images qui n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. T'en as la preuve, t'es en train de me regarder. Quelle puissance, tu sens cette puissance là, tu... Affaire à suivre puisqu'on fera un petit reportage que tu verras au mois de novembre. On en reparle. Le samedi 13, nous irons également à la Chaussée Saint-Victor. La salle s'appelle le Carroir, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la compagnie du hasard, compagnie Loir-et-Charrienne, je précise, viendra nous présenter sa dernière pièce, juin 40. Vendredi 19, à Blois. Blois-Vienne, pour être précis, le théâtre Mont-Sabré accueillera Nathalie Boileau, humoriste, qui viendra présenter son dernier spectacle, Donne tout, sauf la recette. À mon avis, vous allez vous poiler. Je suis drôle quand même. Moi aussi, j'aurais pu être humoriste. J'aurais pu être humoriste, je te dis. Allez, affaire suivante. Tu aimes la magie? Moi, j'adore. Tu veux que je te fasse un tour? Allez, viens. Oh, un chapeau. Un chapeau vide. T'es épaté, hein, déjà. Viens, super, non? Ah, et maintenant, je vais te faire un tour de main. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un écureuil. Oh, il est mort. Oh non. C'est la perruque de ma mère. Bon, bref. Tu préfères peut-être des vrais tours de magie de professionnels? Eh bien justement, à la Maison de la Magie, en plein centre-ville de Blois, face au château, le festival découverte des jeunes talents de magie. Tu auras l'occasion sur plusieurs soirées de découvrir tous les nouveaux talents ici et là de France qui viendront se produire. T'es là-bas. Voilà, dans les grandes lignes, ce qui va se passer sur l'agenda culturel dans le Blaisois. Vous retrouverez le récap à la fin de cette émission, mais aussi sur notre page Facebook. Ça vous permettra de vraiment de savoir exactement tout ce qui se passe complet. Mais tout de suite, notre séquence off. Notre séquence off qui va nous emmener du côté de Cheverny. Cheverny, 15 km au sud de Blois. Et oui, comme tous les ans, ils fêtaient la fête des vendanges il y a quelques semaines de cela. Et pour que vous puissiez mieux vivre l'événement, nous sommes allés faire la fête avec eux. Un grand moment. Tout de suite, petit reportage, on va se promener à Cheverny. Bienvenue ici à Cheverny sur la fête des vendanges 8e anniversaire. Alors je vous entends d'ici, fête des vendanges, fête de pochetron, pas du tout. Pas du tout. Bon anniversaire la maison des vins. Je suis à côté des deux organisatrices principales de l'événement. D'où est venue cette idée d'organiser un événement comme ça C'est les viticulteurs au départ, ils voulaient organiser un événement au moment des vendanges et autour du vin pour faire la promotion de leurs AOC. Et l'idée c'était vraiment de faire une fête conviviale et festive, que les locaux s'approprient un petit peu les appellations et festoient autour, autour des vendanges. Sophie, toi tu gères la programmation, comment tu trouves tous ces groupes? Alors on travaille avec Pierre Souchon et Ours depuis 8 ans, c'est les parrains de l'AOC Cheverny et donc on fait de la partie de la programmation du soir avec eux. Merci beaucoup, on va retourner sur la fête, voir tout ce beau monde et puis surtout boire des canons parce que moi j'ai soif. Hein. C'est un peu le bordel, c'est l'effervescence là-dedans. 70 bénévoles, c'est pas rien, mais sans eux, la fête n'existe pas. Envoie tout, envoie tout dans le C.
Chers amis, chaque chose a une fin. J'espère que vous avez apprécié et surtout, venez à la fête des vendanges à Cheverny. C'est vraiment un rendez-vous incroyable au niveau artistique, au niveau convivial, la découverte des vins locaux. C'est vraiment important. Donc, je vous fais des gros bisous, vous êtes superbes. Mais moi, je retourne boire à Canon parce que franchement, il est trop bon le vin. Quelle cuite, hein. Enfin, je veux dire, quelle superbe soirée. Ouh là là, ça me fatigue, hein, mais j'adore ça. Mais on a un petit bonus, on repart tout de suite en reportage, vous allez voir, petite surprise. Envoie tout. Bon, j'essaie de chanter, vous savez qui je suis. C'est la suite de la fête des vendanges. Oh, regardez, juste à côté. Salut. C'est mon ami Charles, merci Charles de nous accueillir ici, chez toi. À quelques kilomètres de Cheverny. La fête de vendange a eu lieu il y a quelques jours. Nous, on a kiffé à fond. Honnêtement, on a kiffé à mort, quoi. Mais nous aussi. Nous aussi, on a, chaque année, c'est un rendez-vous. C'est devenu un rendez-vous annuel important et joyeux pour nous. Cette année, j'ai adoré parce que déjà, il a fait très beau. C'est vrai qu'il a fait beau, il a fait chaud. Hein. Voilà, il y avait du bon vin. Pff, le rosé, ouais. Il y avait un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Body. Oh là là. Il y avait toi. Voilà, et ça participe à un bon accueil. Toi et ton frère, Pierre, vous êtes donc parrain de la fête des vendanges. Mm-hmm. Du coup, comment c'est venu? Enfin, je veux dire, pourquoi à Cheverny? Comment vous en êtes arrivé là? On nous a contactés, et pour nous, ça a été une évidence, parce que ça a un sens, étant donné que sur cette place de Cheverny, on jouait petit, on jouait à chat. Ah ouais. Tu connais chat? Ouais, ah ouais, chat perché, bah ouais, ah ouais, j'adorais. On joue à cache-cache. Je joue encore à chat. Tu joues? Ah ouais, j'adore. On se fait un cache-cache après? Allez. Allez. Mais danser. Jamais su. Jamais su danser. Jamais su. J'ai jamais su chanter non plus. Tu fais comment toi, coin-coin? Coin-coin. Voilà, coin-coin. C'est pour le canard, c'est l'émission. Mon frère et moi, on a fait une chanson qui s'appelle Les canards en plastique. Ah. Et sur le Soldat Rose 2, une musique de Francis Cabrel. Un canard. Tout banal, en plastique, ouais. Ça vous embouche un coin, un coin, un coin, un coin, coin, un coin, coin, un coin, 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 un coin, 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 coin. Merci beaucoup Charles, et puis bah à très bientôt quoi. Et ben à bientôt Toff. Mais ouais. Coin, coin. Allez, coin, coin. 48, 49, 50. Il est où Charles? Voilà, c'est la fin de cette émission. Tu retrouves le récap de l'agenda culturel du mois d'octobre juste après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou sur la page Facebook. Donc évidemment, merci de nous avoir suivis. Tu as adoré, donc tu t'abonnes à la chaîne, tu likes, bien sûr. Et puis, bah, comme tu es un fan des images que tu viens de voir, de la présentation, de la prestance, eh bien, tu reviens le mois prochain, et moi aussi, je te représenterai l'agenda culturel du mois de novembre. Donc, en attendant, gros bisous, et surtout, amusez-vous. À bientôt. Bisous, bisous. Un canard tout banal en plastique, ouais. Ça vous embouche un coin, un coin, un coin, un coin. Un coin, un coin.